Encore là. Que puis-je faire pour vous, Tan? Passez devant, je vous suis.
conduire à n'importe quelle capitale. Où souhaitez-vous aller ? Remontez et nous partirons. Vous avez déjà vu un bon chat ? Je crois qu'ils se font appeler les Khajiits. J'ai entendu dire... Je suis content de vous connaître. Le fond de l'air est frais. Mes récoltes n'aiment pas le froid. Ça, non. Vous êtes quelqu'un d'efficace. Ça me plaît. J'ai des articles de qualité ici. Jetez un œil. N'oubliez pas d'aller voir à l'intérieur si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis à votre service. Alors allons-y. Je ne prétends pas être la ce qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure.
À la prochaine. Avez-vous rencontré épée, casque, à peu près tout ce qu'il vous faut. Je suis sur vos talons. Que puis-je faire pour vous, Tan? Passez devant. La plupart des gens l'ignorent, mais j'aime jeter un œil. Eh bien voilà. Vous croyez que les conseils que mon père donne au Jarl viennent tous de lui ?
C'est toujours un plaisir de rencontrer des compatriotes. J'ai quelque chose pour à peu près tout le monde ici. Faites... Tout est avant ! Regardez donc. Revenez donc. Prenez votre temps. Vous trouverez ce que vous cherchez, ça ne fait aucun doute. Sinon, que voulez-vous? Mes potions et ingrédients vous intéressent?
s'il vous faut un remède, revenez quand vous voulez. Mais pourquoi faites-vous cela ? Je vous en prie, dites-moi que vous avez des nouvelles de mon fils. Vraiment ? Vous l'avez sauvé ? Il faut que je le voie immédiatement. Quoi ? Après tout ce qui s'est passé, je ne peux même pas le voir. Comment puis-je savoir que vous me dites bien la vérité et pas simplement ce que j'aimerais entendre ? Car il transporte les semences de l'été à venir. Oh, c'est bien, mon fils. Alors, c'est vrai. Pour l'instant, ça me suffit de savoir qu'il est en vie. Je peux trouver un peu de paix. Merci infiniment. Vous m'avez rendu, mon fils. J'ai demandé à Eorlund de forger ceci pour Thorald. Ce devait être un cadeau pour fêter son retour. J'imagine qu'il ne pourra pas l'avoir. Vous n'avez qu'à le prendre. Nous pourrons toujours en fabriquer un autre pour le jour où la guerre prendra fin et où Thorald pourra rentrer à la maison. Faites-vous plaisir. Ouais, dans cette direction. Sortez des murs et allez droit devant. Non, et c'est bien normal. Ce serait trop dangereux pour l'instant. Je sais qu'ils sont dehors et à nouveau réunis. Ça me suffit. Allez, prenez soin de vous. Quand l'Empire a capitulé devant le domaine Aldmeri, il nous a tous, nous autres grises toisons, avons combattu les guerriers nés pendant des années. Mais de pire ennemi qu'à vie. Il paraît que la garde de l'Aube est en pleine réformation. Ce sont des chasseurs de vampires. C'est toujours un plaisir de rencontrer des compatriotes. J'ai presque. Juste de me joindre à elle. Elle n'a encore rien acheté. Je ne fais que la meilleure qualité, fraîchement ramenée des terres sauvages. Bonne chasse. Je suis un guerrier, un vrai. Et moi, elle était. Et la voilà, mes amis. La terrible vérité. Nous sommes les fils de l'homme. Olfrid, le chef du clan des guerriers. Je suis aussi nordique que les autres, mais je ne suis pas idiot. Je ne vis pas agrippé au passé comme tous ces gris voisins. On vous reçoit ici volontiers, mais vous devez respecter les règles de la maison du Yarn. Que les divins soient avec vous. Regardez donc. Vous savez, si vous en avez les capacités, vous devriez rejoindre l'Académie en hiver. Quand l'Empire a capitulé devant le domaine Aldmeri, il nous a tous couverts de honte. Une fois que je me serai fait assez d'argent avec les caravanes Khajiit, j'achèterai la jument pavoisée à Ulda. Puissent ces gris toisons finir dans l'Oblivion. Ils veulent soutenir les sombrages, ils auront ce qu'ils méritent. Vous en avez assez de la soupe aux croûtons, marre du poisson et du poulet. Faites-vous plaisir en famille avec un bon steak. Camarade de bœuf, allons boire de l'hydrogène.
Comme s'il n'y avait pas assez d'étrangers en bord de ciel. Voilà que les mercenaires de l'Enclume se pavanent dans le réseau. S'il vous faut une chambre, parlez. Nous avons un petit triangle amoureux à Rivebois. Fendal et Sven essaient tous les deux d'obtenir les faveurs de Camilla. Alors, c'est vous qui fouinez ? C'est mon auberge. Il est normal que je note le passage des étrangers. Qu'est-ce que vous voulez ? Regardez donc.
À la prochaine! Un trouble fait, j'espère. Que puis-je pour vous, camarade ? Vous êtes pas d'ici, vous. Alors je vais être gentil avec vous. Mais nous allons montrer pas. À ces chiens athées à qui cette terre appartient. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. Rivebois est relativement agréable pour un village nordique. À la prochaine. Vous n'êtes pas un trouble fait, j'espère. Il y a pire comme ça. Que puis-je pour vous, camarade ? Battez-vous ou mourrez noblement. Bien le bonjour à vous, camarade. Puissiez-vous rencontrer la mort, l'épée entre les mains. Et par matériel, Alvor peut vous aider. C'est notre forgeron. C'est mon moulin. Certains croient que je possède aussi la ville, mais ce n'est pas le cas. Éloignez-vous de moi. Le Jarl de Blancherive possède toute terre. Moi, je lui paie un impôt, voilà tout. Notre village tient dans un mouchoir de poche, mais nous travaillons dur pour ne dépendre de personne. Vous avez affaire à Rivebois ? Il y a pire comme village.
C'est le cœur. Où êtes-vous? Rien à voir ici. Je chasse et je pêche par ici depuis des années. Ouais. Encore là. Que puis-je faire pour vous, Tan? Alors allons-y. Thank you.
bonne surprise. Non ! Je crois avoir entendu quelque chose. Il est là pour venir. Vous allez mourir. J'ai hâte de voir ce que contient votre force. Je suis derrière vous. Je suis à votre service. Passez devant.